excusez-moi. Dans la justice, dans la même nuit, à partir, je disais Gédéon. Juge 6 à partir du verset 25. Alors, la Bible déclare, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse le tête de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Amen. Amen. Pendant que je préparais ce moment, depuis hier, j'ai entendu les autels. Amen. Amen. Il y a trop d'autels dans notre yes. 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 Il y a trop d'autels. Et nous ne cesserons de les renverser. Amen. Parce que nous savons que notre ennemi est têtu. Amen. Il revient toujours. Il revient toujours. Et nous aussi, nous allons continuer à accomplir la volonté de notre Dieu. Comme Gédéon ce soir, alléluia, nous allons renverser les autels de Baal. Quand j'essaie de regarder le dieu Baal, c'est un dieu de... En fait, pour moi, ce n'est pas un dieu, hein. C'est un ouvrage des mains d'hommes qu'ils adoraient pour avoir la fertilité. En fait, pour eux, ils leur procuraient la fertilité agricole, la fertilité humaine. C'est un faux dieu, c'est un ouvrage de main d'homme, c'est une idole, voilà. Donc, et dans notre nation, et par rapport à Baal, ils faisaient des sacrifices sur ce côté-là. Ils sacrifiaient même des enfants, ils sacrifiaient beaucoup de choses, mais ils sacrifiaient aussi leurs enfants, leurs propres enfants, ça m'a choqué. Et nous le voyons aussi dans notre environnement, dans notre nation, les sacrifices qui se font, les sacrifices humains. Alors, nous allons renverser ces autels qui se nourrissent du sang humain, du sang des innocents. Nous allons les renverser dans notre nation. Alors, nous savons tout ce qui se passe actuellement. Nous sommes dans une phase assez délicate. Et nous savons que l'ennemi de nos âmes a besoin de sang. Et pour contrecarrer cela, Dieu a besoin de toi et de moi. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de nous pour que l'action de l'ennemi ne puisse pas s'accomplir dans cette nation. Nous allons donc nous lever ce soir pour renverser les autels de Baal. Dans nos coutumes et dans nos traditions, ce sont les rites qui sont. Les rites que nous avons chez nous avons le witi. Nous avons le witi, le djembe. Chacun dans son ethnie ou bien dans sa province connaît à peu près ce qui est vénéré. Donc nous allons renverser ces autels-là. Parce que ces autels parlent toujours, ils réclament toujours le sang innocent. Et ceux-là qui les entretiennent sont obligés d'aller puiser, aller kidnapper les enfants par-ci, aller kidnapper les enfants par-là, et même les adultes pour nourrir ces autels-là. Alléluia. Donc nous allons renverser ces autels de Baal dans la nation et leur influence. Parce que leur influence attire la colère de Dieu. Ils disent des alliances avec des divinités et ça attire la colère de Dieu dans notre nation. Ça attire beaucoup de choses. Ça peut attirer même des épidémies, ça peut attirer des morts subites, ça peut attirer des maladies. Ça attire la colère de Dieu. Nous avons vu dans la Bible ce que Dieu a fait en Égypte, à Pharaon, à l'époque de Pharaon plutôt. Donc nous pouvons voir que quand Dieu se met en colère contre un peuple, vraiment il faut que le peuple de Dieu qui est dans cette nation là se lève pour implorer sa miséricorde pour que Dieu revienne de sa colère. Alléluia. Donc nous allons prier pour que tout ce que ces autels, tout ce qui est fait sur ces autels soit
nul et sans effet sur notre nation. Je ne sais pas si j'ai bien traduit à la pensée parce que je me suis étendue un peu. Donc nous allons tout simplement renverser les hôtels de base. Et ces hôtels sont la représentation de tout ce que nous voyons dans nos provinces. Je n'ai pas voix et prie. Thank you.
chair. Deuxième initié, deuxième mise en place. Quand on sort sur ces 50 titres, laisse ta voix épouse. Prépare ça dans la maxime. Nous voulons renverser les incantations, les prières sataniques qui ont été faites dans l'éducation, la seule nation, au nom de Jésus. Dieu, du dessein de Dieu. Et le monde va être plus loin. Tout est plus loin.
Parce que ce n'est pas le sang de Jésus que nous avons la victoire. Nous serons la victoire. Alléluia. Et le monde